Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 30 mars 2022 avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Et voyons voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 30 mars 2022. Alors, à la coupe, nous avons enfant, projet, des nouveaux projets, où vous allez avoir des nouvelles de... Ah, le retour d'un enfant, peut-être. Vous avez peut-être le retour d'un enfant pour certains, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il peut y avoir aussi le retour d'une situation qui va permettre de créer quelque chose ou de démarrer notre projet. Alors... Voilà. Alors, vous êtes protégé ou vous vous protégez pour avoir la paix. Vous voulez la tranquillité et avoir la paix pour pouvoir choisir tranquillement une décision, une destination, une décision à prendre. Waouh, perçu comme un cadeau, d'ailleurs. Cadeau, surprise arrive. Waouh, ben, les amis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une surprise concernant l'argent qui arrive? Je vous le souhaite, en tout cas, pour certains d'entre vous. Alors, cadeau, argent, en fait, aussi un petit gratte-gratte. On ne sait jamais, les amis. Et on se projette, on voit plus loin, on cogite. Très bien. On a un choix à faire. Demain, il est question aussi de prendre une décision. Hein, et de ce fait, on y réfléchit, hein, on cogite. Hein. Vous êtes protégé, hein. Il y a une très belle protection concernant également ces choix, ou c'est vous qui vous protégez aussi pour avoir la paix. Et vous avez bien raison. Un cadeau arrive, un cadeau qui peut être peut-être de l'argent, un remboursement, quelque chose qui vous arrive comme ça, hein, à l'imprévu. Alors, on va couvrir tout ça. Hop, toc. Voilà. Alors, on se protège. On se protège des amis, dites-moi. Ah ah. Ah ah. On veut la paix. Et j'ai comme l'impression qu'on s'en sépare, d'ailleurs. Il y a une séparation pour certains d'avec les amis. On a décidé, et on va prendre une décision, c'est celle sûrement de partir. De s'installer ailleurs, d'aller voir ailleurs, de prendre de la hauteur, peut-être aussi on va se séparer de personnes, on s'en protège, qui sont dans une autre ville, un autre département. Et il y a un très beau cadeau. Alors, par rapport à des accusations qu'on vous a portées, ça se retourne en fait. C'est peut-être eux d'ailleurs, hein, je suis en train de percuter. Eh bien, ça se retourne contre eux, parce que pour vous, c'est un beau cadeau. Et il y a de l'argent qui est là par rapport au retour d'une situation. On se projette sur un nouveau départ. Alors, pour d'autres personnes, j'ai l'impression que vous avez le retour d'une personne qui arrive, pour lequel vous étiez séparés. Elle revient. C'est peut-être pour vous perçu comme un cadeau, bien qu'il y avait eu des accusations autour de tout ça. Hein. Et peut-être même des soucis d'argent. Ça vous fait cogiter, ça vous fait cogiter. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Autour de ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un enfant. Alors, est-ce que des fois, un enfant, vous n'aurez pas accusé, revient, vous avez accusé de quelque chose. Peut-être même d'une séparation qu'il y avait eu. C'est possible. Hein. Pour d'autres, je vois, vous vous séparez d'amis, vous vous en protégez d'ailleurs. Hein. Vous voulez la paix, la tranquillité, vous décidez peut-être de partir ou d'aller ailleurs, dans une autre ville, un autre département, parce qu'on vous avait peut-être accusé. Hein. Bon, il y en a assez. Là, ça se retourne contre eux, j'ai envie de dire, parce que pour vous, c'est un beau cadeau. Par rapport à de l'argent, il y a un retour de situation et vous allez pouvoir vous projeter pour un nouveau départ. Voilà les amis, ce que l'on peut dire pour ce mercredi 30 mars.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vous a parlé. J'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas, merci, merci hein, d'être présent sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à mettre des pouces j'aime, à partager, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.